Areski Sugar. Merci. Merci beaucoup pour ces applaudissements. France Inter. C'est vrai que nous, les humoristes, on adore vous poser une étiquette comme ça sur le public. France Inter. Vous vous souvenez, monsieur, quand vous étiez une personne à part entière avant de venir? C'est terminé. Chacun d'entre vous, pendant quelques minutes, sera France Inter. Et chacun d'entre vous sera responsable de tous les autres. Et ça, c'est un petit aperçu de ce que c'est qu'être maghrébin en France. Chacun est responsable de tous les autres. Alors après, je sais, il y a des gens qui sont en train de se dire « Ah, c'est encore un de ces comiques qui va nous parler de ses origines. » Non, moi, je vous en parle pour que vous sachiez que toutes les blagues que je vais faire, moi, j'ai le droit de les faire. Parce que ma famille est d'origine raciste. Non, en vrai, je viens de Maghreb. Et je, plus précisément de l'ancien département français. Et c'est vrai que... Et c'est vrai que parfois, tu sais, quand tu dis que t'es maghrébin, il y a des gens, ils viennent te poser une question. Et tu dois répondre en tant que porte-parole de tout le monde arabo-musulman. Tu te transformes en président de la délégation de la Corne de Gazelle. Voilà, je vous sens pas parce que le dernier week-end, j'étais dans un apéro de bobo classique. J'étais tranquillement du côté du buffet entre le kombucha et le fromage bio en lait d'écureuil. Enfin bref. Et là, il y a un gars qui arrive, qui me connaît à peine et qui me dit « Ah, mais Areski, t'es bien d'origine algérienne, c'est ça ?» Déjà, aucune bonne question, commence comme ça. Voilà. Non, parce que je lis dans son esprit, je sais que lui, il se dit « Areski, Algérie », donc ça veut dire que c'est un gars, je vais lui parler de Benzema, de Makrout et d'Al-Qaïda. Voilà. Alors que moi, je m'y connais ni en sport, ni en pâtisserie. Et là, il me dit, ouais, t'es d'origine algérienne, parce que là, on a une petite discussion, là. On aimerait savoir, c'est quoi ton opinion, toi, sur Israël? Donc là, je repose mon tuc sans gluten. Je savais pas qu'il y avait contrôle, j'ai pas révisé, en plus. Là, bien entendu, le mot Israël a été prononcé. Tous les yeux sont braqués sur moi. Hein? Alors après, moi, je suis un kabyle athée. Donc j'ai à peu près autant de billes dans le conflit israélo-palestinien que Mimi Mati en NBA. Donc c'est vraiment, c'est pas... Je m'en fous. Mais les yeux sont braqués sur moi. Et surtout, je commence à entendre un petit peu dans l'apéro les gens qui disent... viens voir l'Algérien là, il va dire des trucs, il va dire des trucs antisémites. Vas-y, sors ton téléphone, précompose le numéro de l'Hélicra quand même. Vas-y, vas-y. Non, mais sauf que moi, je sais comment naviguer ces eaux dangereuses. Déjà, il faut commencer par remercier. Merci. Je te remercie de me donner la parole sur ce sujet, Hippolyte. C'est pas lui. Je tiens à souligner l'extrême complexité de la situation actuelle au Proche-Orient, mais dire qu'elle n'est rien en comparaison de ce que vivent nos frères et sœurs ouïghours. Et là, d'un sujet qui avait aucun rapport, j'ai fédéré toute la soirée contre la Chine. Bim! C'est comme ça que ça se passe. Ok? Parce que... Merci. Parce que gardez-le en tête, le racisme, c'est comme une patate chaude. L'important, c'est de ne pas finir avec. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. C'était Areski Sugar. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et bravo, cher Areski.